Abonne-toi à Keytoons et amuse-toi pendant des heures. Tout le monde est parti. Oui, le dernier bus de la journée est pour nous. Plus tard. J'ai trop hâte de manger les biscuits de Noël de mon papa. Ils sont trop bons. Et moi, de lancer des boules de neige. Moi, je me réjouis. Les cadeaux. Fais attention. Les cadeaux de Noël. Ouais. La la la, la la la. Je me sens d'humeur à chanter des chansons de Noël. La 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 la. Passe de bonnes vacances de Noël, Shaq. Oh, toi aussi, Daisy. C'est gentil. Oh. Ouais, on y va, Noël, 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 tout le monde. Joyeux Noël. Mauvaise nouvelle. La neige est tellement tombée qu'elle bloque les routes. Le dernier bus ne peut pas venir nous chercher ici, ce qui veut donc dire que nous allons tous fêter Noël sur le campus. Oh, il n'y a pas la moindre neige ici. Au revoir, biscuit. Au revoir, lancer de boules de neige. Au revoir, cadeau. Au moins, on est ensemble. Et on est les best friends forever. Doucement, doucement. On ne s'affole pas comme ça, d'accord? Ça veut dire qu'on va passer la fête de Noël sans nos familles et sur le campus. C'est ça, c'est merveilleux, non? On se reprend. Vous savez qu'on peut tout faire ici. Cuisiner, faire des décos, chanter. Hé, hey, toi, cette branche de gui est à moi. Une minute, reviens ici. Daisy a raison, les filles. Passer Noël sur le campus n'est peut-être pas une si mauvaise chose. On va s'amuser. On va chanter des chansons de Noël. Qui en est? Moi, j'en suis. J'en suis. J'en suis. Compte sur moi. Non. Comment ça, vous restez ici? Eh bien, je vais m'assurer de gâcher votre Noël. Rends-moi mon gui. C'est pour une bonne cause. Je vous ai déjà raconté qu'en 1999... Vous avez composé une chanson de Noël pour votre ville natale. Oui, c'est ça. Qui veut chanter en premier? Moi, je veux bien être la première à chanter, si vous voulez. La 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 la. C'est parfait, Crystal. Maintenant que je suis inspirée, je vais écrire une nouvelle chanson. Ça me fait penser qu'en 1999... Vous avez composé une chanson de Noël pour votre ville natale. Vous pensez qu'on recevra des cadeaux demain? On verra. Ce qui est sûr, c'est que tout est possible à Noël. C'est quoi, ça? C'est du gui. On dit que la personne qui recevra un baiser en dessous d'une branche de gui trouvera l'amour. Oh! Salut les filles! J'espère que la neige va tomber. Moi, j'espère qu'on va chanter beaucoup de chansons. Et moi, j'espère recevoir mon premier baiser. Bonne nuit les filles! Bonne nuit! Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens d'avoir une idée avec ces cadeaux. J'avais vraiment pas besoin de ça. Les cadeaux sont vraiment lourds. Oh, j'en peux plus, je m'en débarrasserai demain. C'est Noël, les filles! C'est Noël, les cadeaux! Quoi? C'est pas possible! Y a pas de cadeaux sous le sapin? C'est une vraie catastrophe! Tu exagères un peu, la Dreamy. Et maintenant, tu vas me sortir que le meilleur cadeau de Noël, c'est... De finir les fêtes tous ensemble! Exactement! Peut-être, mais il n'y a même pas de neige. Et les filles, et si on chantait des chansons de Noël? J'en ai pas envie, Crystal. Moi non plus. Je n'ai plus qu'à me débarrasser de ces cadeaux, maintenant. Oh non, j'ai oublié mon bonnet. Le premier baiser est si dur à obtenir. Rim, te revoilà. Qu'est-ce que tu dis? Shadow, c'était elle qu'on retrouvait les autres, Rim. Dépêche-toi, préviens-les. Allez, vite. Il n'y a pas de Noël sans sapin, sans cadeau, sans neige.
n'arrive à rien. Sans notre famille à nos côtés, ce sera un Noël chagrin. Je ne suis pas vraiment convaincue par le refrain. Je crois que je vais le réécrire. Je reviens vite. Oh, c'est Rim. Qu'est-ce qui se passe? Oh, que c'est lourd! Il faut que je me dépêche. Personne ne peut me voir. Je dois arriver à mener à bien mon plan. Je dois gâcher Noël. Hé, toi, arrête ça, tu veux? Shadow, je ne te laisserai pas nous prendre nos cadeaux. Et qui est-ce qui m'en empêchera? Toi? Tu es toute seule. En plus, tu n'es rien sans tes amis. Tu as tort. Notre amitié est tellement forte qu'un Noël raté ne pourra pas la détruire. Shadow, rends-nous ces cadeaux. Dans tes rêves, je compte bien gâcher Noël et votre amitié. Je vais t'en empêcher. Où elles sont tes amis? Ici. On ne te laissera pas gâcher notre Noël, tu entends? Ni notre amitié. Ce n'est pas possible. Mon plan était pourtant parfait. Par le pouvoir de l'amitié. Hein? Ah! Cette lumière! Oh! Je reviendrai! It's Christmas time, so we're all together. Let's have some fun. It doesn't matter where we are, as long as we can be with each other. Because we know that it is Christmas time, we can share our joy. Celebration time with all your friends. You know that this is a different Christmas. It's so much fun to put the lights up, wishing a Merry Christmas to everybody. Loving anyone who is in need, and toasting to peace. Decorate the campus with a million colors, bringing different flavors to a dinner table. Candy cane, gingerbread and wrapping paper. Qu'est-ce que vous faites? C'est la tradition. Je dois vraiment lui faire un bisou. Oh, c'est trop chou. Wow, voilà que la neige tombe. Selfie. Celebration time with all your friends. You know that this is a different Christmas. Merry Christmas. Là, il va avoir peur. Les animaux n'aiment pas quand il y a beaucoup de bruit, tu sais. T'inquiète, Dreamy, ce n'est qu'un feu d'artifice. Tu vas voir, ça va être spectaculaire. C'est un feu d'artifice. Qui est-ce qui l'a allumé? Te l'avais dit, je suis sûre que Rim n'a rien remarqué. Faites attention! Tout doux, mon Rim. Calme-toi, tout va bien, c'est fini. Oups. Lenardi, allez, tiens bon mon gars. Tiens presque. Hein? Je rêve ou c'était une licorne? On se fait une autre partie? Ouais. Quand j'aurai trouvé le coupable... Oh! Oh! Rim, mais calme-toi, reviens. Miss Collect, vous allez bien? Si je vais bien, c'était un cheval déguisé en licorne. Je viens de me faire percuter par un cheval déguisé en licorne. Probablement, parce que les licornes, ça n'existait pas. Bien sûr, mais si j'apprends que vous êtes impliqué dans cette histoire ou que vous avez allumé les feux d'artifice, vous serez renvoyé. Oh. Renvoyé? C'est génial. On ne peut plus cacher Rim, Dreamy. Rim restera ici. Il suffit de lui trouver une meilleure cachette et de ne plus allumer de feux d'artifice. Mais on adore les feux d'artifice. Oui, ben nous non, ils effraient Rim. Je trouve pas ça juste. Il faut que tu fasses en sorte que Rim ne s'effraie pas aussi vite pour qu'on puisse allumer nos beaux feux d'artifice. Ne t'inquiète pas mon beau Rim, on va trouver une solution. Dreamy, je crois que je l'ai déjà trouvé. Debout mon grand.
Rien n'y fait. Oh, t'as vraiment de sacrés grands sabots. Je vais avoir une idée génialissime. Mademoiselle Dreamy et ses complices aventurières sont attendues à la cafétéria immédiatement. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce sauvageon que vous avez pour ami a de nouveau fait des bêtises. Quoi? Oui. Mais, Miss Colette, c'est impossible, les licornes. Les chevaux ne marchent pas au plafond. Ah non? Il a pourtant laissé des traces de sabots un peu partout. Il m'a suffi de les suivre pour le capturer. Oh non, Rim. J'ai déjà pris contact avec le centre de protection des animaux sauvages. Ils vont venir le chercher ce soir, juste après le feu d'artifice. Ce n'est pas juste. Les animaux devraient être libres. Si, c'est juste. Et je ne veux plus rien entendre. Il faut qu'on le libère. Tu peux compter sur nous pour t'aider à sauver Rim. On est désolé, Dreamy, mais on ne veut pas se faire renvoyer. Il doit s'en aller. Mais les filles, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh, j'ai une idée, les amis. Rapprochez-vous. Je me demande bien ce qu'il mijote. Chut, il ne faut pas qu'elle nous entende. Il faut attendre que Narvi et Chuck arrivent. Soyez prêtes. Miss Colette. Hein? Je ne dormais pas. Quelqu'un joue avec les feux d'artifice. Quoi? C'est interdit. J'ai pourtant été claire. On ne doit pas y toucher. Je vais aller voir ça. Venez vite. À nous. En avant. Attendez un peu. J'ai vraiment beaucoup de peine pour Dreamy. Après tout, Rim est notre ami. Oui, tu as raison. Mais regarde les dégâts qu'il a causés. Oh, mon plan se déroule à merveille. Hé, j'ai déjà entendu cette voix. Je vais mettre des traces de sabots un peu partout et Miss Colette vous renverra à coup sûr. Oh, tout est de la faute de Shadow. Il faut qu'on le dise à Dreamy. Allez, suis-moi. On a réussi, Rim. Tu es libre. Renvoyé dans 1, 2, 3. Où es-tu, cheval? Il me suffit de suivre tes pas, tu ne m'échapperas pas. Oh non, Miss Colette, sauve-toi vite, Rim. On se reverra bientôt. We must protect each other. You gotta hide from people that are mean. Go right free just like the wind, cause I will be by your side. I'll come get you at any time. My friend Dream, Dream, Dream will always get me. I know he will never let me down. My friend Dream, Dream, Dream is my best friend for sure. I will never leave him on his own. My friend Dream, Dream, Dream is my faithful unicorn. Always helping everybody else. My friend Dream, 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 I will never forget. I love him so much cause he's the best. Le pouvoir de l'amitié. Oh non, pas encore cette lumière. Bien joué. Ouais. Ah, vous voilà. Hein? Vous avez enfreint de nombreuses règles en vigueur sur le campus. Il y a ce cheval et vous avez couru et touché au feu d'artifice. Miss Colette, le cheval n'est plus ici. Si vous suivez les traces, vous verrez qu'il a quitté le campus. Je n'en ai rien à faire, Dreamy. Vous ne me laissez pas le choix, je dois toutes vous renvoyer. Ah non, s'il vous plaît, tout est de ma faute. Alors ne renvoyez que moi, c'est moi qui ai fait venir le cheval. Miss Colette, ne la renvoyez pas, on peut trouver une solution. Oui, sanctionnez-nous avec du travail. Nettoyez les classes. Et préparez de très très bons petits plats pour vous. Tout ce que vous voudrez, même un massage. Tu en es bien sûre? C'est vraiment affreux. Je me demande même si j'aurais pas préféré le renvoi. Allez, Dreamy. J'ai couru à travers bois toute la journée à cause de toi, tu sais. J'ai les pieds en compote. You know the sky's the limit.
l'album de promo. Et comme ça, est-ce que ça rend bien? Mais oui. Et les filles, ça vous dirait qu'on aille toutes à la cafétéria? Continue à prendre la pause, Shaq, tu es très drôle. Il rougit. C'est trop mignon, il t'aime beaucoup. Tu dis n'importe quoi. Il était grand temps de faire un peu de tri. C'était trop drôle, hein? Regardez, on dirait que quelqu'un a jeté tout un tas de livres. Dis-moi, Ella, est-ce que tu penses à ce que je pense? Je vais me prendre un toast à l'avocat. Hey, salut les filles, venez. Eh ben, quel bazar! Je me demande à qui appartient cet album photo. Elles sont à mourir de rire. J'aimerais bien savoir en quelle année ces clichés ont été pris. Waouh! Est-ce que vous avez vu cette coiffure? Vous savez qui c'est? J'en sais rien, mais elle a l'air triste. Et sa tenue, franchement, c'est vraiment une horreur. Une petite minute. Mais c'est Miss Collect! C'est l'album de promo de Miss Collect! Laisse-moi voir. J'en reviens pas. C'est bien elle. Je me disais aussi que cette pose m'était familière. Je comprends maintenant. Tu sais, Daisy, tout le monde n'est pas aussi doué que toi pour prendre la pose et s'habiller. Je viens d'avoir une super idée, les filles. Je propose qu'on fasse nous aussi un album de promotion. Oui, oui, excellente idée. En plus, Narvi a un appareil photo. Je suis sûre que les garçons vont nous aider. Allons leur demander. Oui. Ça, c'est bizarre. Personne n'a signé pour Miss Collect et je vois qu'elle n'apparaît sur aucune photo de groupe. La pauvre. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'avait pas d'amis. C'est pour ça que... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je vas aller en retenue. Va en cours. Non, dans ta chambre. Et plus vite que ça. Je ne vivrai pas ça une seconde fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Un album de promo? Quel est donc leur plan? Les garçons sont sympas de nous prendre en photo. Il ne nous reste plus qu'à se préparer. Et... Waouh! J'adore ton style, Daisy. Tu me prêterais des accessoires pour la photo? Avec ça, je suis sûre que je serais parfaite. Tu me montrerais comment prendre la pose, Daisy? Oh oui, à moi aussi! Et à moi aussi! Avec plaisir, je vais apporter des accessoires à la séance photo et vous montrer comment on pose. Rendez-vous sur la scène! Daisy, je te remercie de nous aider. Y a pas de quoi, les amis sont faites pour ça. Les filles, je viens d'avoir une super idée. C'est au sujet de l'album. Que diriez-vous si... Oh, je suis trop nerveuse! Et vous, vous êtes si calme! Je suis trop contente que Daisy veuille bien nous prêter ses accessoires et nous montrer comment on pose! C'est un vrai désastre! Bon, ok, mais ça va pas! Détends-toi, on sera toutes magnifiques, tu sais. Oui, je vais m'assurer que vous soyez magnifiques. Allez, Daisy, concentre-toi. Ton heure est arrivée. Avant qu'on commence la séance photo, je voulais vous demander si vous seriez d'accord qu'on fasse l'album de promo pour... Me voilà! Vraiment. Waouh, c'est une vraie pro! Daisy, t'as apporté tes accessoires pour les photos? Oui, bien sûr. Tout est dans la valise. Une minute. C'est quoi ces choses? Moi, je mets pas ça. Prête? Qui commence? Moi! Allons-y, Shaq. Regardez bien, les filles. Je vais vous montrer comment on pose comme une vraie star. Oui, bien sûr. Cette pose s'appelle les épaules en avant. Ça, c'est la pose du vainqueur. Les fesses en arrière. Elle est incroyable. Elle est si belle que j'arrive pas à arrêter de la prendre en photo. Allez, à vous, les filles. Ella, toi d'abord. Fais-nous un beau sourire, Ella. Tu peux le faire. Parfait. Oh non, c'est trop. Monte encore ta jambe, encore plus haut, plus sur le côté. Fiche-moi le camp. Qu'est-ce qui se passe? Allez, Lady, tu peux y arriver. Ne perdons pas de temps. Tu me montres ta pose? Mets ta main sur ta hanche, bassin vers l'avant. Waouh, l'appareil t'adore. Arrête, j'ai pas envie de continuer. Tu nous as menti, Daisy. Tu voulais qu'on ne remarque que toi et c'est pour ça que tu nous as apporté ces accessoires horribles. Quoi? Je n'y comprends rien. Ce n'est pas moi qui ai mis toutes ces choses dans ma valise. Non, bien sûr que non, c'était sûrement un fantôme. Je suis sérieuse, les filles, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas.
Attendez une minute, c'est... Oh, Shadow! En avant! C'était donc Shadow? Shadow, tu as échangé ma valise! Oui, c'était bien moi! C'était tellement amusant! Vous le verrez sur les photos. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je ne te laisserai pas gâcher notre album de promotion. Ni notre amitié, d'ailleurs. Par le pouvoir de l'amitié! J'en ai assez de vous! Daisy, on n'aurait jamais dû douter de toi. Je crois qu'on te doit des excuses. Ça ne fait rien, Lady. On est les best friends forever et ça, personne ne pourra rien y changer. Écoutez, les filles, je voulais vous dire une chose. Salut, les filles! J'arrive pas à y croire. Vous mourrez d'envie de voir les photos, pas vrai? Mais je ressemble à un monstre! J'ai vraiment une moustache? Comment c'est possible? Même les photos de Daisy sont ratées. Ça doit être l'œuvre de Shadow. Adieu, album de promo. Moi, je les trouve vraiment cool. Et Shaq, si on prenait la pause? Elles sont géniales! Daisy, t'es horrible sur la photo. Tu la signerais? Bien sûr! Maintenant, on a un super souvenir grâce à Miss Collect. C'est ce dont j'essaie de vous parler depuis le début. Ça vous dirait qu'on... Oh, je viens d'avoir une idée. On devrait offrir à Miss Collect un album que chacun d'entre nous signera. Oh oui, Lady, c'est une excellente idée. Tu es la meilleure. Stella, je suis désolée. Qu'est-ce que tu voulais dire? Rien du tout. Allons voir Miss Collect. Oui, en avant. Miss Collect, on a un petit cadeau pour vous. C'est notre album de promo. Nous l'avons toutes signé. Un album de promo? Oh, je n'aime pas ça. Oh, c'est adorable. Vous êtes tous très drôles. Venez, on va prendre une photo de groupe avec Miss Collect. L'étudiante fantôme, partie 2. Ella! Ella! C'est les filles! À l'aide! L'étudiante fantôme! Miss Collect avait raison! L'étudiante fantôme est revenue pour chercher l'une d'entre nous! J'en sais rien, ce qui se passe me semble vraiment étrange. Vous avez entendu? Dans les films d'horreur, les fantômes attrapent toujours les personnages principaux et les emmènent ensuite dans la forêt. Oui, c'est vrai. Il est possible que l'étudiante fantôme ait emmené Ella dans la forêt. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Certaines d'entre nous vont dans la forêt et les autres dans les chambres. Tu penses pas que ce serait mieux si on restait toutes ensemble? Dans les films d'horreur, il y a toujours quelque chose d'horrible qui arrive aux personnages principaux quand ils se séparent. Oh mais non, voyons, c'est une excellente idée. La recherche sera plus efficace si on se sépare. Et en plus, les fantômes n'existent pas et je vais vous le prouver. Daisy, viens avec moi. Oh, non, 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 non. Je ne retournerai jamais dans cette chambre. Toi, Lady, tu viens avec moi. Venez, les filles, on va dans la forêt. Il faut qu'on trouve Ella. Oui, mais c'est juste que... on est vraiment terrifiés. Détends-toi. J'ai le remède idéal, tu vas voir. Fantôme, dites-nous, êtes-vous bon ou mauvais? Vous nous faites peur, on dirait que ouais, ça vous plaît. Tu as raison, Daisy. La musique, ça aide vraiment. Je sais, oui. Ma musique a un petit effet apaisant. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va? J'ai toujours les dents qui claquent quand je suis nerveuse. C'est bizarre. On dirait qu'il n'y a personne ici. Il semblerait qu'Ella ne soit pas dans la forêt. À l'aide! Allumez la lampe, s'il vous plaît. Ella? Ella? Oh, tu es là? Les filles! Je suis ici! C'est l'étudiante fantôme! Elle veut sortir du placard, j'en suis sûre! Je suis ici, j'attends! Une petite minute. Si c'était vraiment un fantôme là-dedans, pourquoi est-ce qu'il ne passerait pas à travers la porte? Ella? Ah, les filles! On t'a enfin trouvé! Et de trois, occupons-nous des autres! Des bonbons ou un sort? J'ai pas bien entendu. J'ai compris, y a tonton qui dort. Des bonbons ou un sort? Quoi? Y a un chaton qui mord? Un chaton qui mord? Ça n'a aucun sens! Des bonbons ou un sort? C'est l'étudiante fantôme! Il n'y a jamais eu d'étudiante fantôme. C'est Shadow. C'est elle qui nous a enfermés ici. Qu'est-ce qu'elle nous veut? En tout cas, au moins, on est ensemble.
Ouais, mais vous m'écrasez, là. Oh, je suis désolée. Les filles, il faut prévenir les autres pour qu'elles nous viennent en aide. Criez aussi fort que vous pouvez, d'accord? Hé hey! À l'aide! On est ici! Les filles, n'oubliez pas, jamais on ne se sépare, c'est compris? Ne t'inquiète pas. Tony, par ici, tout près de l'arbre. Et oh? Les filles? Où est Connie? Il fait beaucoup trop calme par ici, ce n'est pas normal. Je me demande s'ils ne sont pas occupés à préparer une de leurs farces pour Halloween. Les filles! Dans le placard! À l'aide! Personne ne nous entend, on dirait que crier ne sert à rien. Oh! Oh, waouh! Cette tenue est trop canon! T'es sérieuse, Lady? Maintenant? Bah quoi, je reste optimiste, c'est tout. Voilà encore une copine à vous. Connie? Une minute, on est bien à l'intérieur du fameux placard? Oui, et tu vas voir, les tenues sont trop bien. Lady, tu es incorrigible, c'est pas le bon moment. Les filles, restons toujours ensemble, il commence à faire noir. Il fait sombre, la nuit vient de tomber. On observe les fantômes marauder. Des rires étranges pour nous affoler. Fantômes, dites-nous, êtes-vous bon ou mauvais? Vous nous faites peur, on dirait que ça vous plaît. Que voulez-vous, nous resterons malgré vous. Fantômes, vos ombres nous entourent. Mais vous ne pourrez pas gagner en retour. Fantômes, nous sommes plus forts que vous. Notre amitié est plus forte que tout. On est ici. Hé, vous avez entendu? Oui, je crois que ça vient de là-bas. Ce sont nos amis, il faut les retrouver. Fantôme désagréable, t'as commis une erreur. Nous battre est impossible, ensemble on te fait peur. Maintenant on vient chercher nos amis sans se cacher. Car notre amitié surmonte ce que tu es. Ce que tu es. Venez-vous du paradis ou de l'enfer? La peur change de camp, vous semblez moins fière. Que voulez-vous, nous resterons malgré vous. Fantôme, vos ombres nous entourent. Mais vous ne pourrez pas gagner en retour. Fantôme, nous sommes plus forts que vous. Notre amitié est plus forte que tout. Fantôme, vos ombres nous entourent. Mais vous ne pourrez pas gagner en retour. Fantôme, nous sommes plus forts que vous. Notre amitié est plus forte que tout. C'est elle. Elle est Fantôme. Le pouvoir de l'amitié. Je suis vraiment désolée, Daisy. Si on ne s'était pas disputé au sujet du costume d'Halloween qu'on devait faire ensemble, on n'en serait pas arrivé là. Je te demande aussi pardon. Aucune idée n'était meilleure que l'autre. Elles étaient juste différentes. Je suis trop contente. Il semblerait qu'on va enfin pouvoir vraiment fêter Halloween. Je savais que tout finirait par t'arranger. Mais oui, bien évidemment, si tu le dis là. Dites les filles, c'est qui vous a dit que l'étudiante fantôme n'existait pas? Ne viens pas dire que tu n'y as jamais cru, Lala. Non. Tu en es bien sûre? T'as été la première à t'enfuir en courant, je te signale. Rien à voir, Daisy. Mais est-ce que je pourrais emprunter une de tes tenues? T'as énormément de vêtements. Oui, bien sûr, tu pourras choisir celle que tu veux. Je suis l'étudiante fantôme. Donnez-moi vos décorations d'Halloween. Sinon, je vous emmène dans l'au-delà. Ah non! J'adore Halloween. L'étudiante fantôme, première partie. Vous avez entendu? Y a pas de raison d'avoir peur. Bien le bonjour, humain.
N'ayez pas peur, chers étudiants, ce n'était qu'une farce d'Halloween. Miss Colette, évidemment. Je voulais juste vous rappeler que le cours de décoration d'Halloween va bientôt commencer. C'est trop génial! En avant! Chaque binôme va créer un costume d'Halloween avec du papier toilette. Vous allez devoir vous montrer imaginatif. Les mauvais tours sont interdits. Mais qu'est-ce que je viens de dire? C'est tout vu, Stella. On va faire une momie. Une momie avec un rouleau de papier toilette, c'est une blague. C'est carrément du déjà-vu, tu ne trouves pas? Il faut quelque chose de plus original. Comme un monstre des neiges, c'est plus effrayant. Moi, je préfère une momie de l'Égypte antique. Je trouve que c'est bien plus exotique et tout aussi effrayant. Un monstre. Une momie. Un monstre. Non, une momie. Oh, monstre. C'est qui se dispute, là? Mon idée est meilleure. Ça, c'est toi qui le dis. Vous savez, votre querelle me fait penser à une histoire mystérieuse qui s'est passée il y a de très, très nombreuses années d'ici, sur le campus. C'est la fameuse histoire de l'étudiante fantôme. Les décorations qu'elle faisait étaient impressionnantes. Tout ce qu'elle voulait, c'était être la meilleure. Ses citrouilles étaient les plus belles, presque trop parfaites. Elle arrivait à faire des merveilles avec une feuille de papier et quelques ballons. Elle en était bien consciente. Elle se sentait supérieure aux autres et les méprisait constamment. Elle n'avait aucun ami. Elle s'en fichait parce qu'elle était la meilleure. Jusqu'au jour du concours de travaux manuels. Elle était persuadée de gagner avec sa toile d'araignée sinistre. Mais une chose terrible survint, une chose qu'elle n'avait pas prévue. Son sac à dos, avec tout son matériel, avait mystérieusement disparu. Désespérée, elle demanda aux autres participants de lui prêter du matériel. « Quelqu'un pourrait me donner une feuille de papier, s'il vous plaît? Je pourrais emprunter tes ciseaux. » Mais personne ne voulut lui prêter ses affaires, parce qu'elle se plaisait à se moquer d'eux la plupart du temps. Comme je vous l'ai déjà dit, elle n'avait pas d'amis. Elle était donc seule et abandonnée de tous. Oh! Depuis ce jour, elle revient sur le campus la nuit d'Halloween. Chaque année, elle vient de l'au-delà demander de l'aide à tous ceux qui croisent son chemin, son but étant de finir sa toile d'araignée géante. Dites, Miss Colette, vous croyez vraiment que vous allez réussir à nous faire peur en vrai? L'étudiante fantôme. Personnellement, je trouve pas ça effrayant. Non, c'est pas effrayant du tout. Boum! Ah! Oh, tu m'as fait peur! Ce n'était qu'une simple petite blague. Bon, c'est fini. On se voit à la prochaine expo de déco. Intéressant comme histoire. L'étudiante fantôme. Ça vient de me donner une idée. C'est délicieux. Les ballons se sont mis à éclater et j'ai eu la peur de ma vie. Les filles, vous ne comprenez pas? Tout ce qui nous est arrivé est en lien avec l'histoire que Miss Colette nous a racontée en classe. Elle a raison. Dans son histoire, il y avait des citrouilles et des ballons. Oh, comme les tiens! Sans oublier le matériel qui a disparu. C'est exactement ce dont l'étudiante fantôme avait besoin pour finir sa toile d'araignée. Moi, je commence à avoir vraiment peur. Il n'y a aucune raison. Les fantômes, ça n'existe pas. Je parie que c'est Miss Colette qui nous fait une blague à son tour. Tu crois vraiment? Oui, je le crois vraiment et je vais le prouver. Miss Colette, nous avons découvert votre satané plan. Mon satané plan consiste à trier mon incroyable collection de 5000 splendides figurines en porcelaine avant que ne sonne 18 heures. Ce carton est extrêmement lourd et vous osez me retarder avec vos accusations. Votre plan, c'est plutôt de nous jouer un tour avec cette histoire d'étudiante fantôme. Vous pensez vraiment que je n'ai rien d'autre à faire? Je suis bien trop occupée pour le moment. Prouvez-le. Où étiez-vous aujourd'hui entre 10 et 12 heures? Est-ce que vous avez un alibi? Elle me donne des choses à faire depuis 8 heures ce matin. Vous auriez dû l'entendre me crier dessus quand j'ai failli faire tomber une caisse. Attention! Vous, les filles, vous avez fini de chuchoter? Suis-moi, Narvi. Allez, dépêche-toi. Bah alors, le farceur, c'est qui?
Tu peux arrêter, s'il te plaît? Tu claques tellement fort des dents que j'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qui ne va pas, Ella? J'ai peur! Et si l'étudiante fantôme surgissait de nulle part? Snake-moi. J'arrive pas à dormir. Elle n'y arrive pas non plus. Elle est morte de peur. Il fait sombre, la nuit vient de tomber. On observe les fantômes marauder. Des rires étranges pour nous affoler. Fantômes, dites-nous, êtes-vous bon ou mauvais? Vous nous faites peur, on dirait que ça vous plaît. Que voulez-vous, nous resterons malgré vous. Oh. L'étudiante fantôme entre en scène. D'abord tes dents, et maintenant tout ce bruit. C'est vraiment impossible de dormir. J'arrive pas à y croire, je vais être en train de rêver. Le fantôme, il est en dessous de mon lit. Le fantôme. Le fantôme? Je parie que c'est des effets spéciaux. Connie a raison, hein? C'est quoi cette ombre-là? L'étudiant fantôme. Le lit tremblait. Des choses volaient. Il y avait des toiles d'araignée. J'ai failli faire pipi dans ma culotte. Une minute, il manque quelqu'un. Où est Ella? À suivre. Télé? De quelle télé vous parlez? Il arrive, vous dites? Allô? Une équipe de télé va venir sur le campus. Une équipe de télé va venir sur le campus. Une équipe de télé. Une équipe de télé. Une équipe de télé, trop cool. Elle vient peut-être pour parler de mes chansons. Tu sais que tu es drôle, Daisy. S'ils viennent jusqu'ici, c'est pour filmer le fabuleux campus des talents. Il va devenir mondialement connu. Cet endroit va vite devenir de Place to Be. C'est trop bien. On va me voir à la télé. Il faut que tout soit absolument parfait. On devrait préparer quelque chose. J'ai une idée. On va organiser un spectacle. Ouais. Je pourrais chanter un de mes meilleurs hits. Et nous, on pourrait faire une chorégraphie. Oh oui, bien. Mais il faut une choré qui en mette plein les yeux. Un peu comme des numéros de Pom Pom Girl qui se terminent par une pyramide. Mais oui, bien sûr. Autre chose? Une pirouette avec un double saut du sommet, peut-être? Oh oui, ce serait génial, Lady. Excellente idée. Nous avons peu de temps. On m'a dit que l'équipe de télé allait arriver aujourd'hui en fin d'après-midi. Je dois passer de nombreux appels. Tout le monde doit venir. Allô, oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'entraîne! Quelques années plus tard et on est à nouveau toutes réunies! Je sais que je suis merveilleuse! On se voit près de la fontaine dans 10 minutes? Bien sûr! Tu crois qu'ils vont venir bientôt? Je suis impatient! J'espère que oui! Oui, bien sûr! Tous les membres de l'équipe de télé vont venir! Psst. Alors les garçons, votre numéro est déjà prêt? Allez vous entraîner! Un numéro? On doit aller en cours? J'en ai aucune idée! Si on faisait un numéro de magie. Oh ouais. Un numéro. Je dirais que c'est l'occasion rêvée de semer la zizanie. C'était fabuleux. On se voit sur scène dans quelques heures pour essayer les tenues, d'accord? Lady, n'oublie pas le saut final. Oh, serait-ce le maire? Oui, hello? Tu ne danses pas, toi? Le truc, c'est que je ne suis pas très douée pour danser. Ah, je pourrais vous préparer des biscuits pour que vous fassiez le plein d'énergie. Bonne idée. Toi, tu fais des biscuits et nous, on chante et on danse. C'est bien là le plus important. Oh, c'est à moi. Eh, préparer des biscuits, c'est aussi très important. Je dirais que ça sent la dispute par ici. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur numéro. Je parie que les filles sont occupées à préparer quelque chose de bien plus facile. De vrais amis. À toi, Lady. C'est quand même haut. Oh, allez, ça fait partie de ma prestation. Monte. T'entends quoi par ta prestation? Ah, c'est trop lourd, je tiendrai pas. Aïe, Lady. Désolée. Mais c'est une catastrophe. Vous allez gâcher mon numéro comme ça. Excuse-moi, ton numéro? Le pire de tout, c'est que j'ai mal à la gorge. J'espère que je ne vais pas avoir une extinction de voix.
Salut les filles, regarde Daisy. Je viens de faire des biscuits au gingembre. Ils t'aideront sans doute à apaiser ta gorge. Des biscuits au gingembre? Tu es sûre que ça peut m'aider? Oui, mes biscuits aussi peuvent t'aider. Oui, si tu le dis. Allez, je vais en goûter un. C'est trop épicé. Ma voix. T'es même pas capable de faire quelque chose de bien. Quoi? Ça suffit, je m'en vais. Nous aussi on s'en va, on en a ras-le-bol. Ne faites pas ça les filles, l'équipe de télé arrive très bientôt. Au revoir, chanson. Bon, en avant les répétitions, première prestation. Salut les filles, je crois qu'on était toutes un peu tendues tout à l'heure, non? Oh allez, on y était presque, répétons encore. Bien, je monterai sur scène en solo. Allez vous entraîner. Tu peux faire mieux que ça. Jack, fais-moi disparaître. C'est moi qui suis censé disparaître. C'est une catastrophe. Vous devez répéter encore. Et maintenant, je vais interpréter mon plus grand tube. Son plus grand tube? Une minute. Pourquoi vous n'êtes pas sur la scène? Parce que j'ai décidé de chanter seule. Seule? Oh non, il nous faut une chorégraphie de groupe. Un spectacle qui en met plein les yeux. C'est un numéro de groupe. Ce sera l'apothéose. N'oubliez pas que l'avenir du campus dépend de chacun d'entre nous. On va tous passer à la télé. Regarde, il y a un monde de fous. Où est l'équipe de télévision? Oh, je n'arrive pas à voir les caméras, il y a trop de gens. Des caméras? De quoi elles parlent? Les filles ne monteront pas sur scène. Oh non, elles ne s'adressent même plus la parole. Hey, qu'est-ce que tu fais avec ce flacon d'épices? Shadow? Du piment? Shadow? Les filles, c'était Shadow. C'est elle qui a mis du piment sur mes biscuits. Quoi? Ce n'était donc vraiment pas toi, Connie? Je suis désolée, les filles. J'étais tellement nerveuse à cause du spectacle que j'ai oublié que le plus important était de le faire ensemble. Je me suis vraiment montrée odieuse avec vous. Un petit peu. Mais maintenant, faisons le numéro. On ne peut pas laisser Shadow gagner. Et puis, vous savez quoi? Ensemble, on peut le faire. Et maintenant, veuillez accueillir Narvi et Shaq. Je vais faire disparaître Narvi. On aurait dû choisir un tour plus facile. Oh, c'est un vrai désastre. Dansez. Quoi? Bougez. Il n'y a pas de limite. À nous de rêver, à nous de danser. Pour toujours nous resterons de véritables amis. Amis pour la vie, amis pour la vie. Regardez là-bas, il y a Shadow. Prêtes à briller à nouveau toutes ensemble? Le pouvoir de l'amitié! Non, pas cette lumière! Les filles, c'était impressionnant. Et cette lumière à la fin, spectaculaire. Je me demande quand même toujours pourquoi l'équipe de télévision n'est pas venue. Livraison de colis. Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? C'est la télé! Notre télé est enfin arrivée! On se regarde un film? Oh oui! L'appel au sujet de la télé? C'était pour un poste de télé?